Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur Novalis comme je l'ai précisé dans l'épisode précédent, on se retrouve pour, parce qu'on a attendu un signal et on s'est crashé carrément sur cette planète. De où tu me tires dessus, toi? Mais t'as vu la Vierge ou quoi? Bon, bah, tu m'as touché. J'étais pas prêt. Je suis trop jeune pour ça, moi. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Putain, mais tu rigoles, mais ça tire de partout en fait. Le problème, c'est que si c'est eux qui les touchent, en fait, moi je perds des boulons. Oh. Alors toi, tu tires de trop loin. Ça c'est fait. Nous avons déjà laissé plusieurs messages concernant l'invasion de ce secteur. Vous n'avez pas encore écrit vos messages. Vous en avez quelques-uns en attendant. Voilà, ça c'est fait. Alors, je te l'ai pas encore montré parce que bah, je l'ai pas encore eu. Mais normalement, en fait, t'as un multiplicateur de ressources qui va se mettre sur le côté. Tu vois, où il y a le nombre de boulons et tout. Tu vas avoir un multiplicateur de ressources. Ça, c'est le nombre de... C'est plus tu fais des boulons sans être, sans être touché. Et plus t'as un gros multiplicateur. Tomber, je me fais toucher de partout moi. Ah mais moi aussi je vais les avoir. Oh non. Voilà, ça a l'air d'aller. Y a rien autour. On va essayer de se choper le petit multiplicateur. Oh. Alors là, quand ça retombe tout de suite dessus, normalement c'est bon. Hein. Ah ouais. À mon avis, c'est pas fini. Il y en a d'autres en plus. Oh putain, c'est un carnage en fait ce niveau. J'en ai eu un sur les deux. Ok. Bon, ça a l'air d'aller pour le moment de ce côté. Alors dans ce jeu, tu vois, l'ennemi il était mis dans le coin là, mais il va pas bouger, il va pas courir après toi. C'est si c'est un ennemi qui a l'habitude d'être fixe, il restera fixe. Et ça c'est bah souvent tu te fais toucher à cause de ça, tu vois. Mais bon après voilà, c'est rien. Quoi.
C'est pas ça qui va faire que tu vas perdre le niveau. Le maire du cratère de Tobruk sur Novalis. Le maire Bugwash n'a aucune chance si on ne l'aide pas. Oh toi, t'es mouru. Oh toi, je t'avais pas vu. Il me faut des mines, j'en ai plus. Est-ce que j'en ai... Putain, j'en ai que deux. Alors ça, c'est bien. Quand ton arme, elle prend un niveau, tu récupères toutes tes munitions. Et ça, c'est intéressant. Mais tu m'as touché, tu m'as fait mal, enfoiré. Là, j'ai l'incerté au max, il y en a encore un qui me tire dessus. C'est toi. Normal. Ah, il y en a encore un. Alors, ça c'est bon, c'est fait. Merci, merci. J'ai vraiment cru qu'on allait y passer. Nous sommes ravis d'avoir pu vous aider. Mais pourquoi Drake essaie-t-il de vous tuer? Il s'agit de mon neveu, Skid McMax. Attendez, Skid McMax, le grand overboarder? Il m'a envoyé cet info-robot depuis Aridia et les blagues ne m'ont plus lâché après que je l'ai reçu. Tenez, regardez ça. Salut, oncle Bugwash. C'est moi, Skid McMax. Tu te souviens, ton neveu? Mon agent et moi, on est au super événement du paradis du sport de Skid McMax sur Aridia et on s'éclate. C'est un truc de malade. Non mais tu verrais, je rencontre toutes sortes de gens. Des fans, des vedettes, mes sponsors de chez Gadgetron. J'ai même signé des autographes à ces drôles de créatures appelées Blark. Je sais même pas trop ce qu'ils font ici sur Aridia. Attends une minute. Moissonneur hydraulique, dispositif de transport d'eau super illégal. Je crois que je suis pas censé avoir ça. Arrêtez-le! Il a les plans avec lui! À l'aide! Vite! Appelez mon agent! Appelez mon manager! Non, en fait, ne les appelez pas! Appelez plutôt les gens qui tiennent vraiment à moi! Je ne peux pas mourir! On dirait que Skid McMark a des ennuis. On doit aller sur Aridia. Très bien. Mais on doit d'abord réparer notre vaisseau. Ouais. D'accord. Voyons si on peut trouver de l'aide. En tout cas, c'est bien foutu pour des anciens jeux, tu vois, des jeux que nous on jouait régulièrement. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Ah ça, c'est nos débuts des jeux en 3D et tout, franchement c'était pas mal. Ouais, je vais passer par là moi. Voilà. Ça, c'est fait. Encore et encore. Non mais sérieusement, pourquoi ils sont comme ça? On va trouver l'Ombax. On va faire la peau, l'Ombax. Putain, il a su me toucher, l'enfoiré. Alors c'est ce que je te dis, dans ces niveaux là,
Tu fais vraiment tout, tu casses vraiment tout ce que tu peux, tu passes partout. Et tu vois, après ça paye tout seul. J'aurais 4000 de pièces. Attends, je vais regarder si je peux avoir 4000 de pièces. Ah, j'y suis encore loin. J'aurais 4000 de pièces, je t'aurais montré avec l'autre arme en fait. C'est l'autre arme, c'est tellement la facilité. Enfin, je trouve que ça abusait dès le début du jeu. Enfin, tu verras bien par toi-même. Caboche aurait besoin d'être affistolé. Bref, j'essaie d'envoyer un appel de détresse au Roger Galactique depuis que l'armée de Drake a débarqué. La région tout entière est prise d'assaut par les navettes Blarg. On doit vous sortir de là. Eh bien, je ne pourrais aller nulle part tant que j'aurais pas remis cet info-robot au Capitaine Quark. Nous allions justement le voir quand notre vaisseau a été abattu. On pourrait y jeter un coup d'œil. Oui, pas de problème. Je vais piquer un de ces soldats Blarg. Et voilà. Oh, tiens, bonjour. Je suis Alonzo Drake, le président de Drake Industries. Vous vous demandez certainement pourquoi 300 robots de guerre armés jusqu'aux dents marchent d'un pas menaçant vers un croiseur de classe G. La réponse est très simple, chers amis. Pour le progrès. Il y a des années, nous avons dû nous réfugier sous terre pour échapper à la pollution attribuée abusivement, mais néanmoins à juste titre, à l'entreprise de mon père. Depuis lors, nous avons délaissé la robotique pour nous consacrer à la création de planètes. Maintenant que notre projet touche presque à sa fin, nous devons faire tout notre possible pour respecter nos délais. Dans ce cas précis, cela signifie que notre sympathique armée de robots de guerre doit vaincre tous ceux qui voudraient s'opposer à nous. La bonne nouvelle ? Nous allons les prendre par surprise ! Alors laissez-vous aller, détendez-vous et réjouissez-vous, car vous savez que Drake Industries travaille pour vous. Drake Industries ne travaille pas pour vous. Vous avez un petit problème de transport, à ce que je vois. Et si je vous retrouvais à votre vaisseau, on va le retaper et vous pourrez décoller. C'est moi ou ce type vient de se jeter dans les égouts ? Eh bien, ça a l'air d'être le moyen le plus rapide de descendre. Essayons. Je regarde si je peux pas casser d'autres choses, tu vois, s'il n'y a pas de choses cachées. Parce qu'on sait jamais, hein. Surtout des petits boulons dorés ou des trucs comme ça. D'ailleurs, t'en as pas encore vu. Mais tu peux récupérer des boulons vieux dorés. Qui sont cachés un petit peu partout dans les mondes. Bon, bah là, à mon avis, il n'y en a pas. Ok, voyons un peu ce qu'on a là. Ainsi que Ratchet et Clank partirent réparer leur vaisseau avec l'aide du plombier. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient bientôt côtoyer le sublime, qu'ils allaient entendre ses puissants muscles craquer. Mais d'abord, ils allaient devoir affronter un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Eh oh, pas si vite. J'ai pas souvenir d'un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Ok, ça va. Rabat-joueur. Bon, tout a l'air d'être en état de marche. Promettez-moi de remettre cet info-robot au Capitaine Quark.
Je vous le promets. Merci pour votre aide. Pas de problème. On se voit dans le prochain remake. Hey, tu cherches des armes? Entre dans mon bureau. En fait, j'en ai pas, mais j'en aurais peut-être un si je suis vendu. Ça fait une affaire. Et voilà. Amuse-toi bien avec ton tambour en proton. Alors je te fais un petit commentaire, mais voilà, tu vois, ça sert à rien parce que je parle dans le vide, le micro n'est pas branché. Voilà, là j'ai exploré la grotte en quête d'un trésor, je l'ai pas encore fait. Voilà. Donc là on est ici, je vais te laisser pour la fin de cette vidéo, excuse-moi encore pour le petit souci. Comme je te disais en fait, comme je le disais que je parlais dans le vide. J'ai déjà fait cette aventure, sauf que pour, parce que je trouvais que l'histoire elle était bien, je voulais la refaire en let's play. Et je trouvais pas de boulons, sauf que les boulons ne sont pas encore arrivés. Et ça m'embête un petit peu d'avoir tourné en rond pour rien. En fait, j'ai tradé un petit peu pour te montrer. Et je te disais également que l'arme avec les 4 munitions, elle fait vraiment pas mal de dégâts. Bon, là, pour le moment, elle est que niveau 1. Mais quand tu commences à l'avoir entre niveau 5 et niveau 10, elle te fait un de ces putains de carnages. Donc, c'est la fin pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure. On se retrouve juste après, on va se retrouver pour la suite de cette aventure sur une nouvelle planète. Allez, je te dis à bientôt, c'était Shaika.